La composante écrite de l'évaluation de littératie de la 12e année, français langue seconde d'immersion, est composée de deux parties, la partie A et la partie B. Après avoir terminé la partie A de la composante écrite, vous avez le choix entre deux parcours dans la partie B. Un des parcours est le monde de l'information, l'autre parcours est le monde de l'expression. Chaque parcours contient un texte écrit. Vous avez un aperçu de chacun des textes pour vous aider à faire votre choix. Une fois votre choix confirmé, vous ne pouvez plus le changer. Outre les questions à réponse choisies accompagnant le texte du parcours choisi, vous devez également répondre à deux questions à réponse écrite. La première question à réponse construite est une analyse critique. Votre analyse critique doit comporter une thèse et deux citations pertinentes. La deuxième question à réponse construite de la partie B est une dissertation d'environ 350 mots. Votre dissertation doit être claire et cohérente, avec des idées bien structurées. De plus, les conventions de la langue doivent être respectées, notamment le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe et la syntaxe. L'analyse critique et la dissertation sont corrigées par une équipe enseignante provenant de diverses régions de la province. Pour mieux comprendre comment vous serez évalué, veuillez consulter les barèmes de notation respectifs. Pour en savoir plus sur l'évaluation de littératie, veuillez explorer l'évaluation type et visionner les autres vidéos de la série.